Salut tout le monde, c'est Mongno. Aujourd'hui, on va faire essayer de ne pas rire les youtubeurs en dessin animé. Donc, c'est une vidéo réalisée par l'Actu Animé. Je précise que cette personne-là, elle a géré. Elle a pris plusieurs mois à faire cette vidéo. Je vous invite bien sûr à aller voir sa chaîne qui se trouvera en description. Sa chaîne, c'est l'Actu Animé. Je vous la mettrai dans la description. On va donc visionner cette vidéo. Donc, c'est parti. C'est une parodie de plusieurs youtubeurs assez connus. Donc, on va voir ça ensemble. Je n'ai jamais vu cette vidéo. Du moins, on va la regarder en direct. Alors. Hey, salut à tous les amis, c'est Alex Lafarge, j'espère que vous allez bien. Moi, Amdoula, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un unboxing de ma toute nouvelle Black Car. Ok, donc le mec il avait moi, Amdoula, ça va. Donc en gros là, il a fait, on va dire, une parodie de David Lafarge Pokémon. Donc on va avancer au moment où il y a les youtubeurs. Ah là. Ah, Miss Jirachi. Oh la tête. Vas-y, on va voir ça. Les amis, salut à tous les amis. Nous voilà dans la rue, un endroit qui vous est sans doute familier les amis, puisque c'est ici que vivent les plus grands pigeons. Je suis avec Miss Jirachi. Dis coucou Jirachi. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui Alex, c'est juste pour te dire que c'est vraiment un truc de fou comment ta meuf elle ressemble à un émoticône. Alors oui, tout à fait les amis, chaque matin à mon réveil je me fais exactement la même réflexion. Oh là là, c'est bon, je rigole ma chérie, allez Miss Jirachi, est-ce que tu peux me passer ma black card? Non mais allez à boule. Là il a géré. Ah l'animation elle est trop bien faite. Blackout. D'accord. On a compris oui. C'est parti, je tape le code et je valide. What the fuck les amis? What the fuck? What the fuck? What the fuck les amis? Oh ce doux bruit. Regardez sa tête. C'est du lourd. Mes amis, c'est du très très lourd. What the fuck, c'est du lourd. Il leur fait des visages de ouf. C'est... Non. Un panda moqueur. C'est un panda moqueur. What up guys, c'est un PD moqueur pour un nouveau vlog avec vous. Un PD moqueur. Donc moi c'est Alexis et je suis le créateur de cette chaîne YouTube qui est l'Actu Anime. Lol, contrairement aux apparences, cette vidéo ne vous parlera pas de ma séropositivité, non, mais de l'argent sur YouTube. Je me dois de vous expliquer un peu pourquoi le rythme de parution de... Je m'épose, 2 secondes. Qu'est-ce qu'on voit ici? Un trophée YouTube, félicitations pour votre statut de la plus petite merde de YouTube. Et là, on voit, bon, ils ont mis iSoup. Oh, franchement, c'est super bien. Super bien fait. La vidéo est aussi grande. C'est un long discours fucking boring. Vous allez me suivre du lever jusqu'au coucher à travers ce petit day in my life afin que vous puissiez comprendre comment je travaille. D'accord. On t'écoute, un PD moqueur. À 8h00, mon réveil sonne. Je vais dans ma cuisine, je me sers un bol de céréales. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous mangez le matin. Je ne vous lirai pas, mais le nombre de commentaires sous mes vidéos me permet de... En fait, je vais faire des pauses dans la vidéo parce que des fois, il y a des détails vraiment marrants comme ici. À mon réveil sonne, je me sers un bol de... Extra fragile. Aux extraits de fiottes. Oh, les bâtards. Allez, c'est parti, on continue. Céréales. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous mangez le matin. Je ne vous lirai pas, mais le nombre de commentaires sous mes vidéos me permet de me sentir exister. J'allume mon ordinateur, ensuite je prends mon stylet et je dessine jusqu'à midi. À midi, I need some R&R. So, je me sers un bol de céréales. Passionnant, un PD moqueur, 19h30, stylet, dessin. 22h, céréales. 22h30, stylet, dessin. 2h, je check mon compte en banque. 2h01, je chiale. Hein. Et enfin, bah, 2h30, je roupie, quoi, je dors, je fais dodo, je ronfle avec mon doudou. Voilà, voilà. Ferme ta gueule. Des détails. Bon, là, il y a la plus petite merde. What? Quoi? Envoie ma part de féminité! C'est bon, je suis enfin devenu moi-même. Ok, c'est devenu... Je vais juste demander un petit service à mon pote. Ok, c'est devenu un mec, et juste là...
Un PD moqueur, ok? Et là, c'est marqué quoi? Je... Vous connaissez la suite, ok? Allez, on reprend. Super Flamme, c'est celui qui a doublé les voix dans certaines de mes précédentes vidéos. Super Flame? Ouais, quoi? Je compte t'expliquer aux gens ce que va devenir ma chaîne YouTube d'ici très peu de temps. J'ai besoin d'une nouvelle voix pour terminer la vidéo. Tu me proposes quoi? Non, pour expliquer des trucs, il y en a qui sont doués pour ça. Les Bogdanov, par exemple. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Temps X. Bonjour Igor, bonjour Grishka. Ce n'est un mystère pour personne, produire un dessin animé demande énormément de temps. Effectivement Grishka, 4 ou 5 minutes d'animation requièrent pas moins de centaines, voire de milliers de dessins. Tout à fait Igor, on est loin du temps requis pour réaliser un top 10 pompé mot pour mot sur Topito. Un tuto cuisine de merde plagié sur les ricains, ou un vlog dans lequel le mec ou la nana se filme partout en mode selfie, la caméra au bout du bras, jusqu'au fin fond de ses chiottes en tentant de s'auto-persuader que sa vie est plus intéressante que celle des autres parce qu'il a filmé en slow motion une merde sortir du trou du cul de son chat. Oh non, il s'est gavé. Tu serais pas un peu énervé, Grishka? Tiens, prends ça. Merci, Igor. What? Bref, en conservant mon travail actuel, je ne peux produire que 3 à 4 vidéos par an maximum. Bref, c'est de la merde. Oui, Igor, c'est de la merde. Je dirais même une bonne grosse diarrhée interstellaire. C'est pourquoi, pour remédier à cela, j'ai décidé d'ouvrir une page Tipeee. Fabuleux, Grishka, mais qu'est-ce que Tipeee? Tu es censé venir du Turfu et tu ne connais même pas Tipeee. Turfu. Tipeee, c'est tout simplement une plateforme de financement participatif via laquelle n'importe qui puisse me faire un don, qu'il soit unique ou mensuel. Dans ce cas, si c'est l'argent le problème, pourquoi ne te trouves-tu pas un vrai métier, espèce d'enculé? Excellente question, Igor! De grands groupes, des boîtes de production et des chaînes de télévision m'ont déjà fait des propositions auxquelles je n'ai donné aucune suite, puisqu'au-delà de l'argent, il y a également les questions de l'indépendance, de la liberté d'expression et de la liberté... de la laisser en chien. ...qui se posent. Et si les gens sont prêts à soutenir davantage la chaîne, je compte bien la pousser encore plus loin en produisant des dessins animés hors série qui seront plus longs, traitant de sujets précis, toujours dans la même forme et le même esprit. Imaginez. Mais alors, dernière question. Pourquoi les gens te donneraient de l'argent en période de crise? Calme-toi, Igor. Les gens peuvent très bien faire des dons de 1 euro. 1 euro correspond approximativement au salaire horaire d'un intermittent à touche pas à mon poste. Mais pour ceux qui peuvent et veulent donner plus, ils auront droit à de nombreuses contreparties, comme des croquis, des illustrations, voire des peintures sur toile. En soutenant la chaîne, vous lui permettez tout simplement d'exister, de grossir et d'offrir du contenu bien plus régulier qu'actuellement. En soutenant la chaîne, non seulement vous participez à l'essor d'un type de contenu très rare sur le YouTube francophone, à savoir le dessin animé, mais en plus, vous permettez de contrebalancer toutes ces chaînes de vlogs de tuto make-up faits par des gamines qui feraient mieux d'apprendre à écrire à... Attendez. Faits par des gamines... YouTube francophone, à savoir le dessin animé, mais en plus, vous permettez de contrebalancer toutes ces chaînes de tuto. Wartek? Enjoy. Oh là là, il s'est gavé. Make-up fait par des gamines qui feraient mieux d'apprendre à écrire avant d'apprendre. Putre random. À se maquiller, de gamers qui se croient drôles simplement parce qu'ils font 2 ou 3 zooms sur leur tronche, de calculettes, de top 5, de top 10, de top 15, qui se plagient tous les uns les autres de podcasts sur les profs, sur l'école ou sur mes couilles de pardon. Yop, la coupe PC dans la boîte, je pense qu'elle est bonne là. Allez, balance-moi ça sur YouTube, il est temps qu'on passe à la vitesse supérieure. Alors, vous pouvez tous le dire dans les commentaires, il a fait un travail de ouf. Il a réalisé des mois et des mois et des mois pour faire ceci. Et au final, bah, c'est juste parfait. Donc moi, j'ai bien rigolé quand il s'est moqué de certains youtubeurs comme un panda moqueur, Enjoy Phoenix, Wartek ou même d'autres. J'espère que ça vous aura fait rire. En tout cas, moi, ça m'a fait rire plusieurs fois. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un maximum de likes et faites-moi le savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube ainsi que cette vidéo, ce qui me ferait super plaisir. C'était Mauno, allez, ciao! I'm not